Mais what? What? Non! Mais what the fuck? Eh bien salut tout le monde, c'est Azaran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur State of Decay Breakdown, qui est une extension de State of Decay, hein, du coup, qui permet de jouer sa propre histoire sans avoir de quête principale, etc. Vous êtes un survivant largué au milieu de la ville et vous devez vous démerder pour survivre le plus longtemps possible. Pour ceux qui ne connaissent pas State of Decay, c'est un jeu de survie classique avec des zombies, etc. Sauf que y a un petit côté gestion. Vous devez gérer toute votre petite communauté de survivants et essayer de les garder en vie tant bien que mal dans ce monde de brutes. Donc on va commencer une nouvelle partie. Alors pour être franc, j'avais déjà fait un rush pour cette vidéo, enfin j'avais déjà commencé la vidéo, etc. Mais j'ai été lamentable, je me suis fait buter dès le départ, mon perso était mort et tout. Je dis non, on commence pas comme ça, c'est pas possible. Donc voilà. On va commencer une nouvelle partie, mais c'est rien à foutre. Donc on a un héros aléatoire. Enfin, moi j'ai pas le choix en tout cas, parce qu'on peut débloquer des héros au fil du temps, car apparemment le jeu est de plus en plus dur. Et à chaque fois, voilà, terminer, alors lancer un scénario au niveau Breakdown 3. Tuer 5 zombies sauvages niveau Breakdown 3 ou plus. Allez, 50 abattages furtifs, enfin c'est avec des sortes de succès et tout, mais il y a des niveaux Breakdown, alors je sais pas. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Les niveaux breakdown. Alors, héros aléatoire, incarner un personnage aléatoire, autre que les héros. C'est votre seul choix en début de partie, mais libre à vous de l'utiliser aussi par la suite, quand vous aurez déverrouillé des héros, pour corser encore le challenge. Parce que les héros qu'on déverrouille, ils doivent... enfin, apparemment, d'après ce que j'ai vu, ils ont des compétences particulières en fonction des personnages. Donc c'est tout, on va commencer une nouvelle partie classique avec un héros aléatoire, c'est parti. Donc là, je suis content, Shadowplay tourne bien. C'est stable et tout. What? Dégage! Dégage de merde! Chut! Tiens! Bouffe! Ah, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Donc, on est pas les seuls survivants, il y a d'autres groupes un peu partout dans la vallée. Donc là, il faut que j'essaie de rejoindre un groupe de survivants parmi certains disponibles. Donc 3 disponibles. Un ici que j'avais déjà essayé dans une autre partie. Alors, à chaque fois c'est aléatoire, hein, les groupes de survivants. Ils peuvent très bien être là, ici, enfin partout. Ici, ça c'est le truc du jeu de base, je crois. C'est à cet endroit-là, il me semble. C'est du jeu de base. Ou ici, je sais plus. Et on a ici, qui est dans un coin tranquille, mais bon, c'est... Ouais. Ouais, quoique... Allez, on va essayer de... On va essayer celui-là. On va essayer celui-là. À 420 mètres, apparemment. D'après ce qu'ils me disent. Donc on va y aller tranquillou. On va y aller à pied, hein, tant pis. Juste quelques champs à traverser. Essayer de pas se faire bouffer en chemin. Pas comme tout à l'heure. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut... Enfin, dans ce jeu, il y a le petit côté gestion, etc., construction... et gestion des survivants, etc. Mais il y a aussi de l'interaction avec d'autres survivants qu'on peut rencontrer au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais me réaliser effectivement. Wow. Le zombie qui a poil là-bas, il me semble que c'est un sauvage. Il me semble que c'est un sauvage, les machins, ils peuvent t'arracher en deux. Ils te prennent comme un catcheur et ils t'arrachent en deux. Il me semble que c'est un sauvage. Je vais éviter de me frotter à lui. J'espère qu'il me verra pas. Il m'a vu. C'est bon. Il se met. De toute façon, on arrive bientôt. C'est ici.
Ah putain, il me suit le sauvage. Ok, on y est. Est-ce que je peux passer par-dessus le mur? Ça serait super, s'il vous plaît. Ouais, allez. Oust. C'est bon. Ouais, ils sont en train de barricader parce qu'il y a du zombie qui arrive, alors... Hop là. À qui je dois parler? C'est à la demoiselle. Attends, parce qu'il y a les zombies, là. Zombies devant la porte. Alors, je veux te rejoindre. Ah, on est content de te compter parmi nous. Bah, merci. Ça fait plaisir. Ok. On ne s'aime pas, c'est tout. Bah, à qui criera le plus fort? Moins 10% de bonheur, ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais apparemment, il y a des mecs qui s'entendent pas très bien, c'est peut-être avec moi. Les éclaireurs viennent de repérer un groupe de survivants, l'endroit devrait figurer sur la carte. Ok, je vais regarder à ça, mais avant... Quoi? On dirait que quelqu'un est venu s'approvisionner dans le coin. On va se pencher là-dessus. Okay. Alors... Vous voyez, on peut... Oh, c'est assez grand quand même, il y a pas mal de trucs de construction. Voilà, on peut construire. Ah, il y a de la tension dans l'air apparemment là dans le campement. Donc voilà, on peut construire plein de trucs. Salle de stockage par exemple, là on peut construire un dortoir. Ça c'est un atelier il me semble, un truc d'hôpital, un centre d'entraînement, une tour de garde. Enfin, on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut. Donc toi t'es à la maison, ça c'est un ami. Ça, c'est bon, j'ai pas vraiment d'ennemis en fait, donc c'est déjà ça. Par contre, voilà, ce que j'ai pas regardé, c'est loin de chez soi, à la maison, d'accord. Que elle, qui est le loin de chez soi. Ouais, bon. Bon. Maintenant, c'est pour vous accomplir. Ok. Alors, ici, pilleur, rechercher les signes d'activité de survivants, d'accord. Donc on va aller voir là-bas, mais avant j'aimerais bien aller voir, investir la maison en face, juste la grange en face, voir s'il y a des ressources. Mais oui, t'inquiète pas. Un car, un bus, tu vois, le genre, quelque chose dans lequel on pourrait s'enfuir. Ça tournait mal, ok. Non, bien ça. Les molotov. Comment je fais pour prendre? Pourquoi je peux pas prendre? Pourquoi je... Ah d'accord, c'est espace, hein. La vache, faut le savoir. Bon. Ne reste rien. Bon, on a déjà tout fouillé, d'accord. Juste ça dedans. Wow. Oh putain! What the fuck? C'était quoi ça? D'accord, il y a eu un vieux bug. Par contre, là-bas, je vois quelque chose de très... Très gros. Oh! Oh! Tu veux pas mourir, toi, gros lard? S'il te plaît? Parce que j'aime pas les gens comme toi. Oh putain. Ah! C'est pas bien ce qui vient de se passer, je viens de rameuter tous les zombies là. Ouais.
Allez, allez. Une voiture qui a explosé. Ouais, alors j'ai des cocktails Molotov. Alors comment on s'en sert de ça? D'accord. On s'en sert comme ça. Mais c'est pas mal ça. J'aime bien moi. C'est sympa. Ça fait un joli jeu de lumière et de couleurs. Bon, attends, je vais vérifier quand même dans la grange, parce qu'apparemment, je l'ai pas exploré à fond. Voilà, faut explorer toutes les pièces, en fait, pour vraiment... Oh, putain de merde. Je les avais pas vus, ceux-là. Crève, toi, crève. Toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Meurs. Allez, voilà. Ah bah. Ah non, je croyais que je pouvais fouiller ça. Mais non, je me suis fait une fausse joie en fait. Il me reste une pièce à fouiller. En fait, en fouillant toutes les pièces, l'endroit est considéré comme exploré, mais définitivement, quoi. Oh, ninja! Et, oh, shit. Et du coup, c'est indiqué sur la carte et tout, mais là, j'ai un souci. Il reste une pièce, mais j'arrive pas à y aller. Ouais, c'est bizarre. Ah bah c'est, ça y est, c'est fait, non? Infestation. Traquer, c'était écrit quoi? Traquer un zombie quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, il y a... Horde de zombies, horde de zombies. Horde de zombies, oh la vache, putain. Quoi, c'est à la base qu'il y avait une infestation? J'ai vu un drapeau orange, là. Ah non, horde de zombies se dirige vers la base, d'accord. Ouais. Trop de hordes, danger, zombies militaires. Zombies militaires, c'est quoi ça? Grimper, inspecter la zone, d'accord. Aide à détruire un zombie militaire. Chasse aux zombies blindés. Ok. Donc ça, j'irai plus tard. Là, il y a des hordes qui avancent dangereusement. Ah, il y a quoi dans la réserve aussi? J'ai pas regardé à ça. Il y a un flingue, ouais. C'est quoi ça? Et la gueule, toujours efficace pour arracher les membres. Ouh! Ça, j'ai assez. Voilà. Donc là, on dépense des points d'influence en fait. Hein. C'est un peu comme de l'argent. Plus on a l'influence en faisant des missions, etc., plus on peut prendre des trucs dans les coffres. Des cocktails, je vais en prendre. Ça, je m'en fous. Ça aussi. Ça, c'est un gros sac, ça? Grand sac à dos. D'accord. Hop. No dice. Déposer. No dice. Équiper. Ça, je le dépose. Voilà. Là, j'ai gagné un peu de place. Bon, ouais, c'est cool. Là, je suis équipé, là. Alors, c'est quoi, ça? Oh, mais c'est énorme! C'est une espèce de grosse faucille, Ouais, on dirait une épée et trace et tout. Wow. Bon. Elles sont où, les hordes, là? Elles en sont où, là? D'accord, ça se rapproche. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'on a une tour de... Ah, est-ce qu'on a une tour de garde? On n'a pas de tour de garde. Il faudra peut-être en faire une. Il nous manque des matériaux. Ok. Est-ce que t'as, ouais. Oh, ça... Hey, c'est un zombie militaire, ça. Il est mort. C'était pas celui-là que je devais tuer, je pense. Non, je pense pas. Il y a une horde. Là-bas. Avec un zombie sauvage là-bas. On va éviter d'attirer le sauvage, ce serait bien.
Quoi, j'en ai plus? Bah j'en avais repris. Merde. Et quand ils sont en groupe, ils sont violents, hein, ils courent et tout, hein, c'est... Hop, ouais. Ah! Les autres qui se ramènent là-bas! Les gens, j'ai besoin d'aide. Tu vas m'aider, toi? Tu sais qu'il y a des zombies qui arrivent, là? Je sais pas si t'es au courant. Ah oui, les gars, faut se réveiller, là! Ah oui, ils sont là. Ils attendent devant. Oui, c'est par quoi? Qu'est-ce que vous voulez, là? Désolé, c'est complet. Horde de zombies approchant la base. Ouais, bah... Et sinon, il va rester là longtemps, enfin, je sais pas. Oh là là, il y en a deux autres qui se ramènent. Enfin, je sais pas, hein, moi... Bon, bon... Oui? Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi? Bonjour? Oup! Tu sais, je les ai réveillés. Ouah! Ouais, bien! Voilà, c'est comme ça qu'on fait! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, les petits copains qui arrivent. Oh shit! Non, laisse-moi pas tranquille, toi! Ok. Ouh. Ça, c'est la dernière. Me dis pas qu'il y a le zombie sauvage derrière. Ouais, ils sont nombreux. Ouais, ils sont nombreux. Non! Moi j'ai plus de vie, what the fuck? C'est bon les hordes là, il n'y en a plus? Ah oh, putain, c'est pas. C'est quoi ça? Le monde de diversion, faites du bruit pour attirer les zombies. Ah mais genre quoi. Faites du bruit, faites du bruit. Faites du bruit! C'est là. Ah putain, c'est où? J'ai pas de véhicule en plus. Puis y'en a une autre qui se ramène et mon perso est fatigué. Ça va pas le faire ça. Horde de zombies signalée, oui. J'ai besoin d'une pause, t'en auras une tout à l'heure. Non, faut que je fasse du bruit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du bruit? Le moral de la communauté est bas. Horde détruite. Tiens, il y en a encore une ici, quoi. Deux! Mais what? Une horde de zombies attaque la base, une horde de zombies s'est dirigée vers la base, une horde de zombies attaque la base. Mais c'est quoi cette partie? Ça m'est jamais arrivé, ça. Dès le départ, t'as 15 000 hordes qui attaquent.
What is the fuck? Il faut que je fasse du bruit là-dessus, c'est quoi ça? Créer une diversion. Nouvel endroit découvert, créer une diversion. T'es marrant toi. Progression. Je fasse du bruit. Comment je fais? Je fasse du bruit. Faut un véhicule pour ça, je suis sûr. Faut klaxonner, je suis sûr. C'est pas un truc pour faire du bruit. Hein. C'est quoi ça? Non. Non, mais je sais pas, moi. On peut pas créer une diversion, il me faut un véhicule. Il y en a pas. J'ai pas de véhicule, moi. J'ai pas de véhicule, comment je fais? Nouvelle infestation, c'est pas... Oh, le... En plus, je jette mes cocktails comme une bite. Donc, voilà. Je vais rentrer à la base. Nouvel endroit découvert. Le pommier. D'accord. Je peux cueillir des pommes? Non. Oh, tant pis. Donc, qu'est-ce qu'il y a à la base? Manger un snack, hein. Ouais. Et laisse tomber. Il est fatigué, tout est ami, hein, ça va. Les autres sont pas malades ni rien. L'autre il est juste fatigué, d'accord. Donc faut que je fasse du bruit. Putain. Avec une arme à feu peut-être. Avec une arme à feu. Est-ce qu'il y a des balles? Non, ben, je vais prendre. Non, j'ai pas de ça. Non. Mais... Ah voilà. Ouais, on va essayer avec une arme à feu, mais bon. On va faire que ça des allers-retours, hein. Bordel à cul. Oui. Hop là! Non, je peux pas, d'accord. Là, je peux. Mais non, il y a des barbelés, forcément, je peux pas. Plus là, il y a une autre horde qui arrive. Et on se dépêche la moule, là, parce que... Voilà, j'ai recommencé ma vidéo parce que la partie était merdique. Bon, là, je suis pas mort, mais bon. C'est quoi, c'est un zombie ou un fantôme là-bas? Là... Ah voilà. Je me disais merde, avec les bras et la tête. On va retourner là-bas. Est-ce que je peux passer au travers ces merdes? Oui. Wow. Ouais non, on va faire le fifou. On va passer. Discrètement. Je peux pas me baisser? Pourquoi il veut pas se baisser? Pourquoi il trébuche comme un con? Ouais. Ah! Ah! C'est un zombie militaire, ça, d'accord. Putain, mais c'est pas vrai. Tu peux pas aller voir ailleurs si j'y suis, toi? Ah, ça marche, ça fait du bruit! Ah, tu perds tes boyaux! Ah, ça y est, les zombies se ramènent! Par contre, c'est un peu de la merde comme herbe, ça. Ah. Allez, encore un peu. Heureusement que j'ai assez de balles. C'est bon. C'est pas des lumières, hein. Ah oui, c'est pas des lumières. Il y a un peu de bruit, ça y est. Ça fait des années que c'est périmé. Ah, bah oui, bah là...
Par contre, toi, tu cours un peu trop vite à mon goût, là. Merci. Regarde le zombie qui pop. En plus, je sais pas viser! C'est quoi ça? Non, ça, c'est un sauvage, ça. Non, c'est un militaire. Oh putain, j'ai eu peur. Je sais pas ce qu'ils ont de plus que les autres, les militaires. Peut-être un peu plus costaud, je sais pas. Par contre, les sauvages, ouais. Ah, il y a des caisses, là. Ils étaient pas là tout à l'heure. Est-ce que c'est de la bouffe? J'espère que c'est de la bouffe. C'est quoi? Fouiller. Alors... Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Ah bien, encore une arme. Appel, ok. Moi j'aimerais bien de la bouffe en fait. C'est pas méchant hein, mais... Même si c'est que des trucs d'apiculteur, je sais pas, un petit peu de miel. C'est vrai quoi, merde. Petit peu de miel. Oh, ressources alimentaires. Ressources alimentaires, oh oui. Donc là, on va faire message radio à la base. Appel au pillard. Il y en a un que je prends. Remplir le sac à dos, maintenir l'espace. Hop là. Nickel. De la bouffe. Alors, je sais qu'on peut... Ouais, il y a 3 hordes. What the fuck. Mais what? What? Non! Mais what the fuck? Mais c'est quoi tout ça? Mais non! Oh, c'est dégueulasse. Oh, j'ai déverrouillé un succès, mais je me suis fait arracher en deux. Oh, oh. Perte tragique. Tous vos amis sont morts. Quoi? Attends, tout le monde s'est fait tuer? Zombie tué, autrement qu'en voiture 32, monstre tué 1, infestation tuée, horde détruite 1, leader sac à dos livré, mission terminée. Oh la vache, merde. Bon ben voilà. Bon ben écoutez, oui, c'est quoi, allez, c'est beaucoup plus dur que le jeu de base. Hein. Ça c'est vraiment, c'est le challenge quoi, faut directement, waouh. C'est, ouais. Faut faire attention à ce qu'on a, faut pas faire le dingue. Faut pas faire le même merde que moi, quoi. Oh putain, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de zombies en rentrant, quoi. J'avais fait une diversion et tout exprès. Et bah non. Il y avait 2 fois plus de zombies chez moi et tout le monde était mort, apparemment. Bon, bah... Putain. En tout cas, c'était une mort assez violente. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, même si c'était un gameplay très pauvre en skill, on va dire, hein, comme d'habitude, de toute façon, sur ma chaîne, on n'est pas déçu avec ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur State of Decay, je vais m'entraîner entre-temps, je vais faire quelques parties de mon côté, histoire de m'entraîner un peu, quoi, de pouvoir vous donner un gameplay un peu plus riche, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, si vous voulez voir d'autres vidéos sur ce jeu, si vous voulez, si vous avez des conseils, surtout si vous avez des conseils, alors là je suis preneur, et voilà, donc n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas fait, pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos, les lives, etc. N'oubliez pas le groupe Steam aussi. Et encore une fois, en espérant que ça vous a plu, je vous souhaite bonne soirée et bonne journée, je vous dis à la prochaine. C'était Azarath pour Gaming for Fun, ciao.